Sancho de Cuba, quien lo sanchó por la salsa. Yes, sir. Ey, ey, ta chemise, là, elle match pas du tout la boîte, hein. Mais pas du tout. Ben oui, en fait. Non, pas du tout. C'est avec mon collaborateur de Boutique Québec, en fait. Ça s'appelle oui. Dollar à Print maintenant, hein. Lui demander de me faire quelques t-shirts pour mes unboxings. Et arrivé à The Collector's Case, je m'étais dit, je pourrais aller avec un brun, avec un jaune. Mais jaune, j'avais peur que l'image soit pas aussi. Et puisque j'avais reçu une boîte blanche, une boîte brune, donc je basculais entre les deux. Leur logo est sur un fond jaune. Et mon collaborateur m'a dit, vas-y, orange, vas-y, sur noir, ça va clasher, ça va être bon, ça va être bien. Donc je suis allé, j'aime bien en fait la chemise orange, en fait j'en avais pas. Et voilà, je reçois une boîte blanche, donc j'aurais dû y aller avec une chemise blanche. Mais peu importe en fait, puisque j'aime bien orange, lettre noire. The Collector's Case, c'est pour ça. En fait, voilà. Donc, Sancho, tu me coupes tout le temps. On n'arrivera pas à présenter la boîte comme il faut. On continue. Parfait. Donc, on est là pour un autre unboxing, celui de la... The Collector's Case. Oh yeah! Oh yeah! C'était une box... En fait, j'en avais skippé une. Une box que le collectionneur m'avait introduit. Et pour le thème horreur, pour l'Halloween, je me suis dit, oh, je peux la prendre. Ça va faire une boîte de plus horreur à unboxer. Elle m'avait tellement plu. Malheureusement, j'ai skippé... J'ai pris celle qui a suivi, le futur. J'ai skippé Pokémon pour finalement prendre The Game of Thrones. Voilà, oui, The Game of Thrones. Voilà, c'est le thème. The Game of Thrones, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je sais qu'on avait une chance sur, je ne me rappelle plus combien, d'avoir la signature du roi Jeffrey. Oui, meurs, oui, t'as bien fait de mourir. Une mort atroce qu'il avait connue sur le show. Par contre, c'est un bon acteur, et incroyable le rôle qu'il a dû jouer, et il a défendu jusqu'au bout. Donc, oui, excellent. J'aime beaucoup avoir sa signature, mais pour le reste, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. C'est que de la surprise. Ne tardons plus, et allons-y, on va l'unboxer. Voilà, donc comme à l'habitude, je vais vous montrer avant de voir moi-même. Voilà. Ah oui, j'oubliais que les autres referment ça. Voilà. Donc, ouais, c'est le t-shirt. On va commencer avec le t-shirt. Dark Horse Comics, fête ses 30 ans. Parfait, oui, je me souviens qu'ils avaient annoncé un article de Dark Horse Comics. Je m'attendais à un comics, pas au t-shirt. Mais bon, 30 ans de Dark Horse, c'est bon à savoir. Très très bien, un peu déçu du t-shirt. Mais on continue. Le récap est fait, on met ça sur le côté. Ça ici qui est lourd. Oh, une tasse. Voilà, pourquoi pas. À l'effigie des Stark. The Winter's Coming Stark. Voilà. Voilà, rien de plus classique. Une belle tasse. Contrairement à Geekfuel, les autres ont mis ça dans une boîte et la tasse m'est venue entière. Bon, elle part aussi de Brampton en Ontario jusqu'ici, donc la distance est un peu plus courte. Mais quand même, on poursuit avec
une petite figurine mini de Game of Thrones de McFarlane. Et voilà, c'est le papier et on a reçu Tyrion. Voilà, Tyrion. Voilà, l'assembler soi-même. Bon, je fais ça tantôt, mais c'est Tyrion. Parfait. Donc, oui, une petite figurine, ça fait toujours plaisir. Deux figurines, ça fait encore plus plaisir. Voilà le petit papier. Et cette fois-ci, on a eu. Ouh, Jon Snow. Ben oui, Jon Snow. Oh, voilà. Donc, deux très bons personnages. Tyrion Lannister et Jon Snow. Donc, on continue. Ah, un paquet de cartes à jouer de Game of Thrones. Très, très bien. Je suis pas un très grand joueur de cartes. Par contre, pourquoi pas. Voilà. Et maintenant, on a... Ouvre le jeu. Are you ready to game? The game, are you ready to play? Game, ça n'a rien à voir avec Game of Thrones. Ils nous ont juste donné un jeu. Ok. Ok, ça a l'air très... dark comme jeu. Bon, on verra. Voilà, on continue. Oh, trois cartes à collectionner. Mais de Lord of the Rings. Memorabilia card, donc ceux qui sont morts. Return of the King. Donc ça fait aussi un truc que le jeu. D'accord, on continue. Oh, non, pas un pop. Mais un produit Funko. Arya Stark. Legacy Collection. Très, très bien. Et j'ai bien peur que la box soit finie. Voilà. Il reste que le papier. Au final... Déçu, oui. Le t-shirt fait un truc, le jeu fait un truc, les cartes à collectionner font un truc, la figurine, oui, pourquoi pas. J'aurais préféré une pop, quitte à l'avoir en double. Les deux petites figurines, oui, j'aime bien, je trouve ça mignon. Une tasse. Oui. Bon. Et les cartes à jouer. C'est un maigre butin. Pour qu'est-ce que je m'attendais vraiment de Game of Thrones? Je m'attendais à un jeu de Game of Thrones, un t-shirt de Game of Thrones, un comics de Dark Horse Comics de Game of Thrones. Les cartes à collectionner, je m'attendais vraiment pas, mais j'aurais préféré recevoir des cartes à collectionner de Game of Thrones et non de Lord of the Rings. Donc, Regis a bien fait de skip la box. Par contre, ouais, bof. Moi, je suis un grand fan de la télésérie. Je m'attendais vraiment à quelque chose de big. C'était plutôt moyen. Pas grave. Mais le prochain thème pour le mois de février est Comic Book Heroes. Oui, on va se réabonner. On va la réessayer. Et on va espérer recevoir quelque chose de mieux que ce mois-ci. Je leur fais confiance. Oui, oui. Mais je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est l'article qui vous a plu le plus? Personnellement, j'irais avec le mini McFarlane de Jon Snow. Mais je veux savoir, vous. Dites-moi là dans les commentaires, ça nous intéresse. Oh, mais c'est qu'il l'a pas oublié, hein? Oui, Sancho, j'oublie pas. Tu t'en rappelles, c'est bien, je suis fier de toi, ça nous intéresse. Cabrón.
Et encore une fois, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et partagez la vidéo afin que vos contacts et amis puissent aussi apprécier. Et encore une fois, merci d'être là et d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!